Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui de ce qu'on va faire? C'est... Non, vous ne pouvez pas parce que t'as pas expliqué, connard. Non mais aujourd'hui on va faire un truc de malade les mecs, j'ai jamais fait... Enfin les mecs, ouais, il y a aussi les meufs mais... Ta gueule, hein. Non mais ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, c'est un truc de malade, je sais que là, voilà. Je vous explique, il y a un jeu qui est génial. J'ai jamais vu un jeu aussi bien ça de ma vie. J'ai fait super attention de ne pas me spoiler. J'ai regardé seulement 3 trailers. J'ai essayé de pas me spoiler. Parce que ce jeu est tellement... Je sais que vous comprendrez pas. Vous dites, mais attends, c'est de mon barjo. Oui, cette expression, ça dérange. D'avoir autant de hype pour un jeu. Mais moi, j'ai jamais été autant impatient pour un jeu comme ça. Enfin, jamais été autant impatient de ma vie d'ailleurs. Mais ouais, je suis un petit peu fou, ouais. Ça remonte à super longtemps. Déjà quand j'étais tout petit, toute mon enfance, j'ai joué avec des petits soldats de la Première Guerre mondiale. Ensuite, je suis passé à créer des petits avions en carton à 2 ailes, des biplans et tout ça. Et moi en fait tout ce que je voulais, parce que je suis plutôt un grand fan de la saga de Battlefield, puis tout petit que, putain ça fait, c'est un truc de fou, je n'ai pas les mots pour qualifier ce que je vis actuellement, moi je vais même pas parler. Non c'est un truc de malade et j'attends énormément ce jeu, enfin j'attendais énormément ce jeu parce qu'il est sorti, vous imaginez pas, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attendais ce moment. Ces deux dernières semaines, j'ai compté à chaque fois les jours, c'est J-14, J-13, J-12, puis après c'était J-3, J-2, J-1, et le jour J, c'est aujourd'hui. C'est un truc de fou. Mon émotion actuellement, elle me fait des vagues, elle me fait des... Parce que moi, ça peut paraître un peu fou, mais ce que je demandais dans un Battlefield, donc c'est un jeu, c'est jamais un FPS, on est un jeu de tir à première personne, tout ça, ce que je demandais moi tout simplement, c'était du combat dans les tranchées, et un bon jeu avec des biplans, avec des avions en 2 ailes tout simplement. Et je pensais jamais que ça allait arriver dans Battlefield, mais totalement fou ils l'ont fait, et c'est un truc de malade, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir le tester en avant-première, avec la YouTube Money, comme on dit, l'installation terminée. Putain, tout est bien, tout rentre dans l'ordre, j'ai plus beaucoup de place, tu as moins qu'à tester, j'ai plus que 10 minutes, ça va être chaud patate, hein. Quelque chose qui parle là-dedans. Et donc voilà, c'est un truc de malade. Je sais que j'ai dit 50 fois la même chose déjà, mais c'est voilà, je n'ai pas les mots pour exprimer tout ça. Et à mon avis, on va commencer right now. Dieu, je ne peux pas, cet écran de... Oh là là, ah c'est beau, c'est de toute beauté. On va même mettre Yvette pour la peine. Je peux pas, c'est trop beau. Oui, n'imagine pas la sensation actuellement dans le ventre, c'est un truc de malade depuis le temps. Putain, avec les éplans en plus, c'est plein, il y a même des cuirassés, des putains de cuirassés. Alors je sais qu'on aura jamais le temps de tout tester tout ça en une seule vidéo, mais c'est un truc de malade, voilà. Putain, avec le petit flou gaussien derrière, c'est... Alors, je pense que je vais faire beaucoup, je sais, vous aurez une putain de vague de vidéos sur Battlefield sur cette chaîne. Je m'excuse d'avance, mais c'est comme ça. À la base, en fait, je voulais même pas faire une vidéo sur ce jeu, et pour finir, je me suis dit, mais non, j'ai fait cette chaîne pour pouvoir tout simplement partager mes deux passions qui sont le jeu vidéo. Alors oui. Le jeu vidéo peut être une passion, oui connard. Partager la passion de jeu vidéo et la passion de réaliser des vidéos tout simplement. On les unit les deux. Ça donne Battlefield 1. La sensation est présente. Premier chargement de partie. Prenez chat. Ah, je peux pas. C'est bon, putain, mais regardez-moi ces images. On aurait eu ça sur Battlefield gratte. J'aurais mis au fond d'écran, ma gueule. Ah, c'est magnifique, putain, cette sensation. Objectif Eugène. Eugène, comme dans The Walking Dead. Il y a un mec principal qui s'appelle Eugène. Voilà, on s'en fout, non, on s'en fout complètement, putain. Pour rejoindre l'escouade, c'est où? Alors, je suis désolé, attention. 2000 years later. Voilà, parfait, petit changement des familles. Ah putain de merde. Ouais, j'avais vu des... j'ai essayé de pas me spoiler, c'est-à-dire que là, je découvre actuellement, même temps que vous, cette minimap, elle est belle de ouf. Alors attendez, on va tenter. Alors d'abord, on va prendre une petite classe assaut des familles, tranquillement. On va se déployer sur le point F pour être un petit peu tranquille et... Ah putain, j'ai oublié de regarder les graphismes. On va mettre le tout en ultra, hein, parce qu'on a un petit peu beaucoup de fric en boule. Oh putain, je peux pas, c'est trop beau. C'est trop beau. Est-ce que ça tourne déjà en ultra? Oh merde, merde. Je suis désolé, je suis très vulgaire. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, l'avion. Attends, viens ici. Frère. C'est tellement beau. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le volume quand même parce que là je vais mourir. On va mettre à 50, voilà. Je sais pas du tout si vous entendrez ou pas quand je tire. Si c'est le cas, bah écoute, c'est très bien. Si c'est pas le cas, bah tant mieux, c'est pas grave. Oh putain, on va dire, attendez, ça c'est un truc anti-aérien, hein. C'est bien ce que j'ai compris. Allez. On peut garder le doigt appuyé, d'accord. Regardez ça, mais c'est tellement bien fait. Mais putain, alors est-ce que les touches, déjà, c'est pour s'accroupir, parfait, c'est exactement. Ensuite on a quoi? Ça c'est quoi? C'est... Oh, ils l'ont mis, putain, j'ai cru qu'il l'avait pas mis. Ah oh, oui, la dynamite. Alors attendez, on va juste voir. Alors je précise avant. Ça regarde vite.
Ah, c'est tellement bien fait. Alors, je précise juste avant, je vais être un petit peu relou peut-être durant cette vidéo. Alors déjà, la vidéo est bientôt finie parce que ma carte SD qui va péter. Alors si jamais peut-être la vidéo se coupe au milieu, bah je suis désolé, c'est parce que j'en ai plus de mémoire sur la carte SD. Il faudra que je vide tout ça, mais j'ai pas le temps. J'ai joué en même temps, comme ça je perds pas de temps. Je vais probablement être un tout petit peu relou durant cette vidéo parce que moi, je suis le genre de mec quand tu regardes un film, par exemple, je suis le genre de gars à toujours dire non, là c'est pas réaliste. Là clairement, là ça va pas, c'est pas cohérent. Voilà, je suis toujours un petit peu chelou. Et du coup, voilà, le truc qui vient de s'écrouler là-bas, c'est super beau et je suis perdu. Houston. Du coup, voilà, je m'excuse d'avance si je fais mon mec un peu relou qui dit oh c'est trop beau, c'est trop beau. Si je fais un petit peu mon petit gamin de 2 ans et demi, découvre l'univers. C'est voilà, je me suis chié la gueule, bravo Noah, bravo. Je préviens aussi que je vais absolument pas essayer de jouer bien. Alors c'est peut-être une excuse de merde, mais je vous promets que moi quand je découvre des jeux, j'essaie vraiment pas de jouer bien. Moi quand je découvre des jeux, j'essaie juste de découvrir tout simplement. J'essaie de regarder un petit peu les graphismes, mais voilà, je vais vraiment pas essayer de jouer bien. Je vais juste essayer de découvrir le jeu, voilà, tout simplement. C'est dit. Mais la map est tellement belle. Bonjour, Jean-Michel, c'est pas visé, au revoir. J'ai paniqué, alors sensibilité un petit peu élevée. On va baisser ça, je ne peux pas, alors je vais essayer. Est-ce qu'il y a un mec là par hasard? Ah, le masque à gaz, je sais pas quelle touche c'est. Prends ça, bitch. Oh, ça fait trop du bien. Oh mec, regardez-moi cette météo dynamique. Vous êtes d'accord, quand on est arrivé, il faisait beau. Puis là, il pleut, c'est voilà, c'est la météo dynamique, c'est un truc de malade. C'est waouh, c'est... Oh, il y a un petit canon là. Est-ce que c'est pas mal? Comment on tire le canon? D'accord, il faut charger. Attention, j'ai tiré pour la première fois de ma vie avec un canon, c'est parti. Et ça défonce, ça défonce, ça défonce, ça fait même un très beau bruit. Mais mec, mais regarde, mais waouh, j'ai l'impression de devenir un putain de gamin. C'est mon rêve d'enfant devient réel, c'est comme ça. Vous êtes d'accord? Bah tu peux faire un court métrage là-dessus, mon gars, ça c'est un film, mon gars, c'est pas un jeu, ça. Un jeu, putain, c'est tellement beau. Parfait, le petit kill. Oh, le petit kill, mon deuxième kill sur Battlefield, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que les animations, ils les ont laissées? Oh oui, ils ont laissé les animations. Oh là 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 là. Ils sont en train de capturer quoi d'ailleurs, les ennemis là? J'ai un petit peu perdu, je suis désolé. Ah, ils sont au E, putain, c'est méga loin le E. C'est quoi ça? Non. Genre qu'il y a des bateaux. Je savais qu'il y avait des bateaux, mais pas des petits bateaux comme ça stylés. Mais regardez-moi cette eau. Mais mec, je suis dans un film là. Allô, allô les réalisateurs. Arrivé à destination. On sort les enfants. On sort. Alors, est-ce qu'il y a... Oh putain. Attends, j'aimerais le tuer. Ah, oh, je suis trop con. Il y avait deux mecs, j'aurais bien m'écouté. Oh putain, ils étaient méga nombreux en fait, d'accord. Oh les mecs, vous savez dans quoi je suis là? Je suis dans ce que j'ai fabriqué en carton. Oh, je rêve. Cet avion est tellement bien fait. Attendez, mais putain, mais c'est pas possible. Je suis... Oh merde. Bravo! Bravo Thomas! Je me suis trompé de touche! Wow! On adore, ça c'est vraiment le genre de fail, on aime bien, on aime bien. Du coup, est-ce que je vais faire toute la traversée à pied? Oui, on peut. Attends, je peux peut-être aller là-dedans. Wait for me, wait for me. Oh, mais cette animation quand tu rentres dans le véhicule, mais c'est un délice, c'est un délice. Moi, c'est genre. C'est des petits trucs comme ça, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout, mais moi, ça fait tout pour moi. Pour moi, ça fait tout. Alors qu'à la base, ça fait rien. Mais pour moi, ça fait tout. Ouais, c'est très romantique, je sais, je suis très, très romantique. Mais j'arrive pas en fait à réaliser que je vais pouvoir jouer à ça maintenant, là, comme ça. C'est waouh. Je sais que je suis un peu mon mec relou. On a jamais vu ça sur toute la chaîne. J'ai jamais été autant impatient pour un jeu vidéo. Oh, ça, c'est qu'une map, hein. Vous savez qu'il y a 9 maps, je crois, je sais pas si on a 9 ou si on a 10, il y a 15 fois plus de maps que... Putain, j'ai trop galéré pour le tuer, je suis désolé, je peux au moins jeter ça pour voir comment ça fait. C'est de toute beauté. Je vais arrêter la vidéo tout de suite coupée, putain, c'est à la fin, il reste plus qu'à peine 40 secondes. Sur ce, j'espère infiniment que cette vidéo vous aura plu. Je sais, je suis désolé de vous montrer plus de gameplay, ça viendra plus tard sur la chaîne. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps et en plus, la carte testée, la caméra est pleine parce que j'ai déjà tourné des vidéos avant. Du coup, je suis vraiment désolé, j'espère que ce petit aperçu de gameplay vous aura plu. Et sur ce, on se retrouvera très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Noah, allez, ciao, bande de geeks.